Bernard Hernandez, référent du groupe Blocage Cavaillon. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux, parce qu'on a tous le même but, hein, c'est pour dire non à Macron, non aux raquettes, réguliers tous les mois. Il se permet de se servir dans notre porte-monnaie tous les mois, avec la bénédiction de, on ne sait pas qui, mais il a une bénédiction, il se sert. Donc ras-le-bol de ce racket, ras-le-bol de taxer les retraités, de taxer tout le monde, quoi. Donc si on est là, c'est pour dire non. Et je vous demande d'être très 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 nombreux sur les blocages surtout. Il y a 80% des Français qui sont d'accord pour le blocage. Ce qu'on aimerait nous, c'est qu'il y ait 80% de personnes sur les blocages. De partout. Voilà, de partout que ça bloque vraiment, quoi. Pour montrer à M. Macron que les moutons, c'est fini. En face de lui, il va avoir des taureaux maintenant, pas des moutons. Voilà, hein, des combatifs. C'est vrai. Donc, franchement, soyez nombreux sur les blocages. Ce matin, on a distribué des tracts, on a beaucoup parlé avec des gens. Bon, il y avait des gens qui étaient d'accord, il y avait des gens qui étaient un peu moins d'accord. Moi, j'ai eu affaire à un syndicaliste ce matin qui m'a fait une leçon comme j'ai jamais eu de ma vie. Oh, hein? Il a osé. Donc on a parlé pendant une vingtaine de minutes en disant que ce qu'on faisait ou ce qu'on allait faire, c'était une grosse erreur. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien qu'après le 17, tout le monde allait rater dans sa petite maison, devant sa télé, et puis on oubliera tout. Donc moi je lui ai répondu qu'après le 17, il y aurait un 18, et puis un 19, et que ça continuerait, ça continuerait. Et j'ai dit à ce jeune homme-là qui a monté un peu le ton, je lui ai dit ce qui te fait chier, excusez-moi du terme, ce qui te fait chier le plus, c'est que nous on a réussi à mobiliser tous les citoyens, et que les syndicats ne sont pas capables de le faire. Pendant des années, des années. Pendant des années, j'ai essayé. Vous m'applaudissez pas, sinon je vais... pendant des années, ils ont essayé. J'ai rien contre les syndicats. Rien du tout. Et pendant des années, ils ont essayé de mobiliser les gens. Ils n'ont jamais trouvé les mots exacts pour mobiliser les gens. Donc, il y en a un qui a réussi, hein, il s'appelle Macron. Hein. Il a réussi. Hein. Lui, il a réussi à mobiliser les gens, la preuve. Donc, quand on tape dans le porte-monnaie, ça fait réagir. Moi, personnellement, je compte mes sous tous les mois, comme tout le monde. Donc, il y en a marre. Maintenant, il faut dire, Macron, stop. Voilà. Tu as provoqué le peuple. Maintenant, le peuple est là, devant toi. Il a dit, venez me chercher. Ouais. On va y aller, ouais. On va y aller. Donc, moi, j'ai fini. Paris, merci de vous. Maintenant, je passe la parole à Rose et Benoît, et qui va vous expliquer le déroulement des blocages. Tout et tout. Merci à tous. Merci. Moi, c'est Richard. Hein, j'habite au Thor. Donc, on est tous des gars du CRU, hein, comme on dit. On est tous du secteur. Voilà, on s'est déclaré, on s'est pas déclaré, mais enfin, il a bien fallu qu'il y ait des gens actifs pour qu'ils ils se mettent un petit peu à la tête de ce réseau. À la tête, hein, entre guillemets, hein, parce que tous les mots, il faut être de... responsable. D'ailleurs, on va faire un appel à ce sujet, on le fera tout à l'heure, hein, pour qu'il y ait un petit peu des gens qui viennent nous aider pour la communication jusqu'au 17. D'accord ? Parce que le 17, je pense qu'on va être très nombreux. Le seul moyen de communication qu'on a aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Facebook. La presse, elle relaye un petit peu, la télé relaye un petit peu. Nous, on commence à être un bon nombre sur Cavaillon à vouloir faire quelque chose. Donc, il faut qu'on passe à autre chose qu'à Facebook. Donc, on aimerait, par exemple, jeudi prochain, deux jours avant la grève, qu'il y ait quelques personnes, il faudrait qu'on soit une vingtaine, on se mette aux deux ronds-points Cavaillon entrée et sortie, vers les 18h, et faire un petit peu comme ils ont fait d'autres villes, arrêter un peu les voitures et leur donner des tracts et leur dire que le 17, faut être là, faut être avec nous. Parce que nous, on l'a fait à la foire pendant 4 jours. Il y a eu, d'ailleurs, je remercie toutes ces demoiselles et dames qui nous ont aidés. Et toi, Benoît, et tout le monde, de toute façon, tous. Bernard. Tous. Bon, maintenant, nous, on a une vie de famille aussi et tout, et puis on ne peut pas tout prendre, quoi. Donc ça serait bien s'il y a quelques personnes parmi vous qui puissent nous aider pendant ces deux jours, jeudi et peut-être vendredi soir, pendant une heure et demie, au rond-point de Cavaillon, les deux principaux, quoi.
Voilà, donc ça c'est un premier appel. Oui. Question, il y a des gens de plan d'Orgon, tout ça, ça serait bien de le faire aussi à l'autoroute, parce que moi je sais qu'en tant que commercial, à 18h c'est l'heure de pointe, 18h-18h30, ouais, l'autoroute, et ça va toucher aussi un peu les Bouches-du-Rhône, quoi. D'accord, directement à la sortie de l'autoroute. Ouais, mais si vous voulez, moi, attendez, moi je dis ça, je dis ça, c'est juste pour lancer la chose. Attendez, le mouvement, il existe grâce à tous. Ouais, c'est d'accord, ok. Voilà, ceux qui sont ok, peut-être à la fin de la réunion, ils viendront s'inscrire, hein, ils viendront nous le dire, comme ça on saura comment faire et un petit peu orienter les gens vers les ronds-points ou l'autoroute ou autre, hein, si vous décidez, vous, d'aller sur un autre point. Il faut vraiment que le message passe. Passe Facebook. En termes de communication, il ne faut peut-être justement pas hésiter à prendre des initiatives. Vous avez des imprimantes, vous avez des ordinateurs, vous affichez les affiches officielles, entre guillemets, et juste faire passer le message que ça bouge, quoi. On y va. Et il faut qu'il y ait du monde au charbon, quoi. Après, ce mouvement, le après 17, hein, on va tout mettre déjà pour le 17, ça va être une réussite, là, j'en doute pas, quand je vois ça ce soir. Après le 17, eh ben, tout dépend de vous, hein, tout dépend de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait après le 17, hein? Est-ce qu'on continue sur ce lancer? Est-ce qu'on crée quelque chose? Ça sera à vous de décider, hein. Si vous voulez continuer derrière, ça sera à vous de décider, hein. On essaiera de se débrouiller, de faire des réunions pour savoir s'il y a des gens qui sont motivés pour continuer et pour aller jusqu'au bout, quoi. D'accord? Voilà. Donc ça sera organisé après le 17, mais ça dépendra pas de nous, ça dépendra de vous, quoi. Ça dépendra de vous. Dès qu'il passe en voiture, on le kidnappe. Normalement, il y a le 17 et le 18 de prévu. Après le lundi, on l'envoie à le lundi, c'était le transporteur. Alors, on va revenir sur le 17, sur l'organisation du. On va y venir. On va y venir. Voilà. Donc, ça, c'est un appel un peu pour avoir de la force vive là, pour jeudi et vendredi. Donc, à la fin de la réunion, venir nous voir pour qu'on puisse. Par contre, si vous prenez l'initiative d'imprimer des tracts pour distribuer, faites attention qu'il y ait marqué dessus, ne pas jeter sur la voie publique, pas de message un peu raciste, machin, truc, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Faites très attention à ça. La police va être vigilante là-dessus. Ils contrôlent les ordinateurs. Non, mais si vous voulez qu'on distribue ce tract, vous n'avez pas fait un modèle On en a fait des modèles, mais après chacun peut faire un choix. Les réseaux sociaux, ils veulent contrôler. D'accord, ouais, ok, d'accord. De toute façon, on va y réfléchir rapidement parce que. Donc, on en a fait imprimer 7000 en tout pendant 4 jours qui ont été distribués sur la foire et un peu plus. Et donc, à l'endroit. Ça nous a, pour être transparent complètement, ça nous a coûté à peu près 150 euros. Là, il y a eu des personnes qui nous ont fait des promesses et qui nous ont donné de l'argent sur une centaine d'euros. Il manquerait une cinquantaine d'euros. Voir avec vous, si vous êtes OK, qu'on refasse une série de 7000 ou de 10 000 tracts pour donner le jour J, le 17, et pour donner sur les ronds-points. Si vous êtes OK sur Vistaprint, ça nous a coûté, ça va nous coûter 75 euros. Voilà. Là, là-dedans, vous mettez 1 euro, 2 euros, rien, si vous pouvez rien, on le comprend tout à fait. Hein, voilà. Voilà. À savoir qu'en plus, donc sur Cavaillon, qu'est-ce qu'on a fait comme action? Il y a eu ces tracts, il y a eu un maire qui a été envoyé à tous les courriers du Vaucluse. Vous l'avez peut-être vu ou lu. Là, moi, j'ai invité officiellement, toujours que via Facebook, le député de notre circonscription, la seconde, M. Boucher, à venir ou à pas venir, hein, c'est lui qui fait son choix. Comment ? Ils ont répondu, le maire ? Pour l'instant, alors les maires, j'ai envoyé à tous les maires, j'ai pas envoyé d'adresse de repos. Donc ils savent pas à qui, où ils sont là ou ils sont pas là. À la limite, ils n'ont pas de réponse, parce que si c'est pour embobiner encore, c'est pas la peine, quoi. Donc, où ils viennent, ou ils viennent pas. Hein. Voilà, donc, pareil. Moi, je l'ai invité en tant que... Ouais. Le connaissant depuis 35 ans, il a travaillé 35 ans avec lui. Vous êtes du tort, vous? Ouais, moi je suis du temps, en plus je suis mal placé en ce moment. Vous avez vu le maire? Ouais, c'est pour ça. Moi j'y croyais en plus, parce que je vais vous dire franchement, depuis l'âge de 25 ans, j'en ai 53 aujourd'hui, je vote plus, parce que j'ai vite compris que cette classe là-haut nous amènerait à la faillite. Et tant que moi on ne reconnaîtra pas le vote blanc, je n'irai plus voter. J'ai décidé de plus voter. On ne peut pas mettre au gouvernement une personne qui a été élue par 2 Français sur 10 au départ, quoi. Ouais. Ça, c'est inconcevable. Donc tant que le vote blanc ne sera pas reconnu et qu'il n'y aura pas une majorité pour élire quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, moi, j'irai plus, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Voilà.
Donc voilà. De ce qu'on parle, qu'est-ce qu'il y a eu pour le maire du Thor? Le maire du Thor, il s'est fait choper sans permis depuis 2009 à 130 km/h. 142.3. 143. Voilà, il conduisait depuis 2009 sans permis. Au lieu de 80. Alors moi je croyais jusqu'à maintenant, je me suis dit, les maires de proximité, quand même, on peut leur faire confiance. 80. Je me dis, mais alors, moi si demain je me fais avoir, j'ai dit, attendez, moi le maire, il s'est fait, je croyais qu'on l'avait. Le maire a donné l'exemple, c'est un délit. Mais non, mais c'est, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Voilà, donc ça c'est pour. Voilà, donc on va vous demander deux choses, hein, participation active pour les ronds-points et si, ceux qui peuvent, financière par rapport à ces tracts. Non obligatoire, hein, je précise, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de donner, après c'est chacun. Ouais. Voilà. Et là, pour le blocage véhicule ou... On va en parler. On va en parler. Ah. Voilà, donc moi pour ça c'est beau. Après pour le 17, moi, je crois que c'est mieux pour l'organisation pure et dure de Alors déjà un grand merci à tous, c'est géant ce qui se passe ce soir. Il y a des référents par chaque zone de blocage. On a défini sur Facebook, certains se sont rajoutés d'autres zones. On va en faire uniquement trois. Il va y avoir le rond-point du Melon. Rond-point du niveau, au niveau du péage, mais attention, pas devant le péage. En face, Lidl, les deux côtés. Parce que le péage, c'est privé et nous risquons d'avoir la gendarmerie qui nous empêche d'accéder à l'autoroute pour éventuellement laisser les barrières ouvertes. Donc, rond-point du Melon, rond-point péage, et Marie Blachère Cheval Blanc. On va se contenter de ces trois ronds-points par rapport au nombre, hein, parce que certains avaient rajouté le rond-point d'Avignon. Finalement, ils sont une centaine inscrits, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment physiquement présents. Donc le mieux, c'est de se dispatcher comme ça. Le 17 novembre, à 7h du matin, on sera tous ici, sur le parking. Les référents, par exemple, moi je suis au péage, j'aurai sur mon gilet orange ou jaune, péage. Parce que certains vont venir à pied, d'autres en voiture, on se suit. Voilà. Sachez que la police nationale de Cavaillon est au courant de tout ce qu'on fait. On est en relation avec eux, ils sont solidaires. Certains seront présents en gilet jaune comme une personne lambda. Et ils assureront aussi la surveillance pour éviter qu'il y ait des fous furieux, des petits nerveux, parce que ce mouvement se veut pacifiste, et nous y tenons, voilà. Donc tout ce qui est projet de foutre le feu aux pneus et tout, c'est niet. Donc le moindre dérapage, on appelle la police nationale, voilà. Ils sont là pour nous aider et solidaires du mouvement, quoi qu'il en soit. Vous avez peut-être pas tous eu une affiche comme ça. C'est simplement une petite information concernant l'organisation du 17. Chacun est responsable de lui-même, c'est-à-dire que moi j'amène ma lampe torche, j'amène de quoi manger, de quoi boire. Si le voisin a rien, je vais lui donner, mais si le voisin m'est occupé par 25, je ne pourrai pas assumer. Donc chacun est responsable de lui-même. Gilet jaune, c'est important pour nous de se repérer, ou orange. J'ai un orange, je suis une rebelle. Voilà. Oui. Ensuite, je note tout, hein, parce que. Alors, l'idée que j'ai eue, je l'ai soumise au capitaine de la police nationale. Par exemple, quand on a une double voie, ou une route large, je pensais que ça serait bien qu'on mette les véhicules les uns derrière les autres, pour limiter, pour que ça devienne étroit. Il faut faire un barrage 1 km avant pour signaler le blocage. Donc une palette avec un drap, un triangle et n'importe quoi, pour signaler, attention, ralentissez, ou quelqu'un avec un drapeau, je ne sais quoi, pour dire, attention, il va y avoir un blocage, pour que les gens puissent faire demi-tour éventuellement, ou si c'est leur direction, ben, tant pis pour eux, ils subiront le blocage. Peut-être qu'ils sont même avec nous. Ensuite, nos véhicules, les mettre les uns à côté des autres et se servir de palette. Une première palette au moment du blocage. Attention, c'est mon idée, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Hein, voilà.
une palette au niveau du blocage avec 5 ou 6 personnes, voire plus, parce que là c'est important. Laisser un espace libre au cas où nous aurions des pompiers, une urgence vitale, etc. Une maman enceinte ou un enfant en détresse, peu importe. Donc laisser un espace vide entre deux palettes. Je ne sais pas la distance à peu près, mais ça, on fera un peu au pif, peut-être entre 10 voitures, quoi, en fait. Voilà. Ça serait bien de le faire, quand je parle de côté péage, de faire des deux côtés. Un côté Lidl, un côté en face Lidl. Voilà. Après, rien ne nous empêche, ceux qui sont au péage avec moi, d'aller avec notre petit sac à dos, voir au péage si il y a du monde, en uniforme. S'il n'y en a pas, on peut aussi isoler les cellules pour laisser le péage ouvert, la barrière ouverte, parce que c'est une journée morte. C'est ce qu'on veut. Pas d'achat, et encore moins sur Internet, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, pas d'essence, pas de clope, on n'achète rien ce jour-là. Voilà. Ne pas créer la pénurie non plus en se réfugiant dans les supermarchés, acheter 20 kilos de sucre, d'huile, bon, voilà. On n'est pas en guerre, hein. Voilà. Donc, il y aura le 17 à 7h du matin des référents par blocage. On sera plusieurs référents avec simplement le mot péage, melon et blachère. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Bon, après, c'est l'intendance, hein, évidemment, les boissons, manger, lampe torche parce que la nuit tombe tôt. Essayez d'avoir le numéro de la police nationale, je peux vous le donner direct. Autrement, ben, c'est toujours le même numéro, le 17, c'est ça? Je ne veux pas. Voilà. J'ai pensé au triangle aussi de nos véhicules, qui pourraient aussi nous servir pour ralentir ou pour annoncer qu'il va y avoir un blocage. Donc si vous avez vos triangles perso, voilà, chacun le mettra. Et puis aussi, en dernier lieu, on parle du 17, on sait que le 18, il y a des gens qui vont rester sur place. J'en fais partie. J'ai décidé de rester jusqu'à 4h du matin aussi, hein, parce qu'à partir de lundi, 4h du matin, il va y avoir les routiers qui vont bloquer. Donc par solidarité aussi pour eux, il y en a certains qui seront présents en civil, sans leur semi-remorque, quoi, hein, puisqu'ils ne roulent pas le week-end. Mais par contre, lundi à 4h du matin, ils vont faire le relais avec nous. Si vous êtes OK, on est tous dans le même bazar, quoi. Voilà. Oui. Oui, oui. Motarde. On y va. Voilà. Nous avons une motarde là qui mobilise beaucoup de motards, qui vont aussi assurer la sécurité de point à point. Des infos qui vont passer peut-être par le. Si une info importante au rond-point du Melon, nous on sera au péage, ou de la chair, on ne saura rien. Donc il va y avoir des motards qui vont nous donner des infos importantes. Dernier point après je me tais. Et puis bon, on va être des bons citoyens si on ne laisse pas de bazar en partant, quoi. Donc des sacs poubelles, on récupère un maximum de déchets, même si c'est celui du voisin, quoi. Voilà. Ça c'est le bon sens, mais je pense qu'on a tous. Ben, pour aller faire un pipi, excusez-moi, ma maison n'est pas très loin, je peux vous prêter la clé. Mais après, vous vous débrouillez, mesdames. Hein. Messieurs, c'est plus facile. Une question, faut-il faire un barrage Pétra ou juste comme ça? Barrage Pétra. Ouais, d'accord. Donc on ne bloque pas. On va laisser passer. C'est normal. Excusez-moi. Après, par contre, si quelqu'un peut venir, je ne sais pas, je prends ma moto. La moto, je ne vais pas laisser tourner toute la journée. Le tracteur en route. Si quelqu'un peut venir avec une grosse batterie bien chargée et deux pinces avec une télé, avec une sortie allume-cigare. Voilà, on pourrait le laisser au milieu d'un rond-point, tout comme ça. Le gyrophare, parce que le gyrophare de camion est manqué. Par contre, sur la moto, je suis obligé de laisser tourner le moteur un peu fort, sinon il me sèche la batterie à prendre le monde. Les motos, c'est comme ça, les batteries. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va manquer cruellement sûrement de palettes, de pneus, de tout ce qui peut bloquer. Ah, pas de pneus. C'est pas pour les brûler, les mises. Non. C'est pas pour les brûler. Attention, je rappelle bien qu'on ne brûle pas de pneus, rien du tout. On ne brûle pas de pneus. Les pneus servent à bloquer. C'est tout. Il vaut mieux mettre les pneus que les voitures, à mon avis. Après, si tu veux mettre ta voiture, moi je suis d'accord. Mais la tienne, pas la mienne. Donc, on peut
on peut mettre des pneus, on peut mettre des palettes, on peut mettre des branches, on peut mettre tout ce que vous avez sous la main. Hein. Tout sera bloqué en fait. Hein. Et si vous mettez 4 palettes au milieu de la route, le gars ne va pas foncer sur les palettes, on risque d'esquinter sa bagnole. Hein. On est bien d'accord. Donc tout ce que vous avez, tout ce qu'on peut récupérer pour bloquer, on le prend. Après, le second problème, c'est comment l'amener sur les lieux de blocage. Camion, il faut remorque, il faut. Voilà, ça. Voilà. Alors, après, on vous passera la parole si quelqu'un se propose pour camion, palette et tout, c'est volontiers. Voilà. Moi, j'ai une quinzaine de palettes, mais vous venez les récupérer en route piétonne. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurai un camion, je vais avoir un camion, mais je vais pas pouvoir l'amener partout. Est-ce que le 17, il y en a qui auront des camions, des camionnettes, des choses comme ça? Ouais. Il y aura tout. Pour voir un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de venir à vide avec, qu'on puisse les charger, juste pour approvisionner, hein, qu'elle jette? Moi, je peux venir avec ces balades. Voilà, ben, si vous avez déjà, c'est mieux. Comme ça, on approvisionne les trois. Après, il vous faudrait. Il y a personne qui fait partie de club de supporters de Marseille, là? Il nous faudrait des trucs pour parler fort là. Par contre, si on n'a pas de porte-voix, c'est bien si on en a. Mais n'oubliez pas d'amener des casseroles, des trucs pour faire du bruit. Il faut y aller. Ensuite, est-ce qu'il y a des gars qui ont une entreprise de maçonnerie? Peut-être qu'il nous faudrait trois groupes électrogènes. On vous les rendra en bon état, super. Pour mettre à chaque point de blocage, pour mettre. Faut pas que ce soit, quand les gens arrivent chez nous, que ce soit la guerre. On va mettre de la musique, on mettra de la musique, on mettra des choses, on fera. C'est un moment de pacifiste, quoi. Voilà. Donc on aimerait avoir, si il y a moyen d'avoir trois groupes électrogènes, qu'on en mette un sur chaque point, juste voilà, pour ça. Tu avais levé la main tout à l'heure ? Moi je suis sur Nîmes aussi, j'habite à Nîmes. Alors je ne fais pas par ici. Comment ? Pardon. Moi je suis convaincu, par contre, ça c'est sûr et certain, il y aura du monde le 17. Oui. Le 18. Maintenant, ça serait bien de penser à dire aux gens, est-ce qu'ils sont prêts à perdre leur travail? Est-ce qu'ils sont prêts à se mettre en arrêt maladie? Est-ce qu'ils sont prêts à arrêter d'aller travailler lundi? Parce que le truc, c'est bien beau. Le français, il est comme ça. Je m'excuse pour ceux qui vont le prendre mal. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, ça va être juste une minorité de gens. On verra. Il faut en parler. Il faudrait commencer à poser la question et à chacune se la poser tout seul jusqu'à là où je suis prêt à aller. Pour faire tomber le gouvernement. Apparemment, il y a eu des trucs sur Orange. Apparemment, c'est noir de monde, la réunion d'Orange, là, ce soir. Il y en a une à Avignon. Tous les soirs, il y a des réunions. Mais les réunions, on verra le 17. Le 17, on va être étonné, je pense. Eh bien, tant mieux. Mais c'est pas le 17 qu'on va gagner, c'est pas le 18. C'est pas le 18, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est encore moins lundi. Bien sûr. Qui sait qui est prêt de poser ses couilles et ne plus aller travailler lundi? Non, mais il faut pas lever la main. C'est savoir après. Savoir après, il faut y être. Parce que tout le monde. Ah, je lève la main. Pour beaucoup de retraités, ouais. Attends, je suis entièrement d'accord avec toi. Pas de soucis. Maintenant, il faut voir le 17. Après le 17, c'est vrai qu'il va falloir prendre des décisions. Maintenant, il faut laisser le temps s'organiser. On peut pas être que dans la réactivité. Arriver à un moment, il faut qu'on se dise, bon voilà, le 17, le 18, on est plein de monde. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, si on reprend le 19 et le 20, ou qu'on recommence la semaine ou la quinzaine d'après, c'est pareil, mais au moins on aura réfléchi, on s'aurait dit, ok, on y va tous. Donc j'en reviens, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient levé les doigts, il y a encore des questions. Là, là. Oui. Allez. S'il vous plaît. Bonsoir. Déjà... Je me présente, donc certains me connaissent, je suis Jean-Pierre Galvez. Je suis correspondant local de presse à Vaucluse ce matin, c'est la raison aussi de ma présence. D'accord. Pour faire une photo et faire un papier pour parler de la journée du 17 novembre. Mais bon, je suis correspondant local, mais je suis aussi citoyen. Et je rebondis sur ce que vient de dire monsieur. Et c'est vrai que c'est une question qui est intéressante et importante. Après le 17, qu'est-ce qui se passe? Parce que
Alors, des, ça dépend de la question. Non, mais le disait, c'est pas qu'une question de. C'est une question de tout le monde. C'est que un mouvement comme ça qui prend de plus en plus d'ampleur, il se prépare, il se travaille. Donc c'est pour ça que, monsieur, que je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est proposé après? Après, quels mouvements sont proposés après? Moi, bon, après ça, c'est perso, j'ai 30 ans de syndicalisme. Et une grève dure et illimitée, c'est très très dur. Financièrement, c'est dur. Psychologiquement, c'est compliqué. Et donc, ensuite, par rapport. Oui, pour le mouvement, mais il y a une chose, je suis un peu surpris. Où, quand on dit, le 17, c'est contre la hausse du carburant. Non, C'est d'annoncer qu'en fait, en plus de la hausse du gouvernement, ben notez ce qui est dit, c'est que on veut la tête du gouvernement. Ça a été annoncé dans les groupes officiels. Donc en fait, vous demandez aussi la destitution du gouvernement. Bien sûr que c'est politique. Mais arrivé à un moment ou à un autre, politique c'est quoi? J'ai regardé aujourd'hui là, d'où ça vient politique, ça vient de la gestion, je crois, des cités, voilà, savoir gérer les cités avant. Mais ben oui, c'est ce que nous on va nous demander de faire, à nous les citoyens et tout, à un moment ou à un autre. Moi ce que je me suis dit, c'est vrai, ça va te mener où ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu fais ça, tout ça? Mais parce que, en fait, moi, c'est même pas Macron. C'est 60 ans de vie, de mondialisation, nous a vendu. Je suis pas politique du tout, je vous garantis, je suis pas politique. Mais quand je vois la mondialisation, l'Europe, ce qu'on nous a vendu, hein, et qu'on nous vend depuis 60 ans, ça nous mène où aujourd'hui, la mondialisation, avec une planète qui nous reste 10% de vivables dessus, ça nous amène des écarts entre les riches et les pauvres de plus en plus. Ma fille, elle a 26 ans, elle vient de faire un master, elle touche même pas le SMIC. Allez, fais des études, parce que tant que tu fais des études, tu n'es pas dans le chômage, donc tu n'es pas dans les chiffres, c'est pour ça que maintenant les gamins, ils ne retournent plus. Hein. Et en plus, ils nous ont pris des cours depuis un mois et demi, parce que ça fait un mois et demi que le baril descend, et ils n'ont rien à baisser. Et là, comme ils sentent comme la mayonnaise allemande, d'un seul coup, Voilà, comme par hasard. Donc moi, ce n'est même pas contre Macron, c'est contre tout ce système qui, aujourd'hui, moi, j'en veux plus. J'ai deux autres petites filles aujourd'hui, j'ai pas envie. Ce matin, j'étais à Intermarché, autant, je passe sur moi, d'ailleurs. Oui. On reprend un petit peu, tu n'es pas contre Macron, moi oui, parce que c'est quand même lui qui se sert à mon porte-monnaie. Oui, c'est lui. Mais ils se sont tous toujours servis. C'est bien la hiérarchie derrière. Voilà, ils se sont la hiérarchie au-dessus. Oui. Ils se sont tous. Ça fait 40 ans qu'on accepte de vivre dans un système carcéral. On nous a enfermés dans des crédits et dans ce besoin d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, stop, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser 300 ans. Par contre, je rejoins sur ta question, on rentre aujourd'hui sur un marathon. C'est pas une course de vitesse. Le 17, on se rassemble. Le 18, on reste là. Le 19, on s'assoit 2 minutes, on respire, on voit ce qui s'est passé. Les routiers vont rentrer en scène. Les infirmières, les ambulanciers, ils lâchent rien. Et la semaine d'après, par contre, on accélère le rythme. Il faut laisser le temps. Il faut qu'on voit au niveau national tout ce qu'on fait ensemble. Quoi. Parce que si par chacun de nos côtés, ça va finir en bordel. Il y a tout le monde qui va suivre, même les retraités. Oui, bien sûr. Allez, ce que je veux dire, c'est que ça va se faire naturellement. Les ambulanciers, c'est pas parti pour rester tout le week-end. Ils sont restés tout le week-end. Effectivement, il y a des gens qui vont repartir. Et attention, ne les jugez pas. Avril, on n'est pas là pour juger. Avril, mais par contre, effectivement, ceux qui peuvent rester, putain, pour rester quoi. Et un moment, et pareil, ils vont en parler, je pense, mais un système de. On n'est plus là pour juger.
Mais là, on est au pied du mur. Oui, mais justement. C'est lundi. Il y a 6 millions de retraités en France. Alors, eux, ils ne travaillent pas. Ils peuvent aider les retraités. Il y a 6 millions. On peut faire, hein, je veux dire. On n'est pas parti pour se battre que deux jours. D'organisation. Marathon, c'est une question d'organisation. Et ça se travaille sur la durée. Non. Il faut jouer dans les retraités. Bon, pour le 17, là, comment on va travailler chez la retraite. Il n'y a pas de problème, je peux en parler pendant des heures, si vous voulez. C'est surtout le 17. Voilà, c'est l'organisation du 17. Donc il nous faut des mecs qui se lèvent, oui. Ça n'a rien à voir, c'est des copains. Ah, âge. Les mineurs. Les mineurs, ils ont le droit de venir. Si c'est pour se balader avec un gilet jaune dans la rue, je peux que les enfants peuvent venir. Mais là, si c'est pour être devant le point de blocage, je dirais que vous venez en soi des adultes. Quoi. Après, moi, comme j'ai rencontré plein de personnes âgées, troisième âge, quatrième âge, à la foire à Cavaillon, je leur ai dit, mais venez qu'avec le gilet jaune et marchez un quart d'heure dans les rues de Cavaillon. C'est tout, hein. Juste montrer que vous êtes là pendant un quart d'heure. J'aurais trois questions. Alors, attendez, question. Je vais essayer. Il y a la dame qui était juste avant. Oui. Pourquoi le rond-point de Blachère le 17 ? Pour reboucher toute la route de Pertuis-Cheval. Les Alpes. Ouais, c'est l'histoire, c'est de bloquer Auchan aussi, Blachère, voilà. Autant le parking d'Auchan. Ah, la route qui est devant le parking d'Auchan. Après, si on est nombreux, si on est autant que ce soir et deux fois plus, après, il peut y en avoir d'autres. Juste pour info, on a donné quand même trois points, on ne va pas en rajouter chaque fois. On a donné ces trois points, c'est des points stratégiques. Il va y avoir ceux qui vont sortir de l'autoroute, qui ne vont pas aller en direction du 13, mais en direction de Cavaillon-Centre. Ils risquent d'aller après, de passer par devant AZ. Donc, ce rond-point est stratégique et ça a été signalé au niveau de la police pour la sécurité. Voilà. Et puis ensuite, il y a qui a posé la question. Non, mais ensuite, il y a Bompa aussi qui bloque. Il y a Apte qui bloque. Il y a Malemort là-bas aussi. Voilà. Côté de Malemort, le pont de Malemort. Il y a partout Carayon. Le pont de Malemort. Sur le Vaucluse, il y a entre 17 et 20 points de blocage. Toutes les sorties d'autoroute, tous les grands axes, tous les ronds-points. Oui, voilà. De temps en temps, on ira voir. Pareil, on va bloquer la route d'Avignon. On passe sur un banquier. Si vous avez des questions à poser, posez-les une personne après l'autre parce qu'on entend en stéréo, on n'entend plus rien. AZ, il sert à quoi le rond-point de AZ ? Le rond-point de AZ ? Il sert à rien du tout puisqu'on est obligé de passer par le rond-point de l'autoroute. Alors le rond-point d'AZ sera vraiment pour les gens qui vont vouloir passer. Il y a des gens qui vont vouloir passer. Et on est obligé d'arriver au rond-point du Lidl, de l'autoroute du Lidl. Obligé. Blachère, c'est pas AZ, hein. Blachère, cheval blanc. Oui, le rond-point de Blachère. Mais après, on est obligé de... Lidl. Si on veut prendre l'autoroute, on est obligé d'aller sur l'autoroute. Oui. Donc, c'est moi. Il sera bloqué. Il ne bloque pas Blachère. Ce carré de cheval blanc, il sera bloqué. Il ne sera pas bloqué. Après, ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, il y a des gens qui vont pouvoir passer. Il y a des secours. Le principal, c'est de montrer l'unité. Transporteur d'organes ou de sang ou quoi, on lui a dit, voilà. Donc, tu passes par là, tu peux sortir. On est obligé de laisser le passage. Ça reste au carré de rond, on est toujours en c'est compliqué, mais pour passer par le nouveau pont, parce qu'on va le rond-point de la zèbre. Pour aller en centre-ville, pour aller à l'hôpital par exemple, on est obligé d'essayer cet accès. Quand je parle du rond-point de Blachère, en fait c'est le rond-point en face, nous avons Lidl, derrière nous il y a le pont, hein. Il y a Z. Lidl, à droite Cheval Blanc, à gauche Marie Blachère, à côté la pharmacie Capoulé. C'est vraiment ce rond-point-là, hein. Parce qu'il y a beaucoup de Marie Blachère, donc je ne veux pas qu'il y ait de confusion.
Oui, il y a Stephen. À 7h ici, et vous partez avec les référents. En même temps, si vous savez où vous voulez bloquer, vous allez directement sur votre point de blocage. C'est pas une obligation d'être là à 7h. L'important, c'est d'y être à 8h pour vraiment être en action. Les gens prennent leur parapluie, on sait jamais. Oui. Lundi, ça va. Il y a un jeune homme d'abord là. Excusez-moi, il y avait juste. Non ? C'est bon, ça, on l'a répondu ? La dame là-bas. La dame au fond. Oui. On laisse passer tous les trucs d'urgence. Tout ce qui est d'urgence, on laissera passer. Comment ils passeront ? Alors, comment ça passera ? C'est qu'en fait, on laissera apparemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une palette. On va faire passer 4-5 voitures. Il va y avoir la palette devant. On va laisser passer 4-5 voitures. On va remettre la palette. On va discuter avec les gens. Et puis après, on va les laisser passer. Ça veut dire que automatiquement, ces filtrants, automatiquement, ben, dans 1 km ou 2 km, ça sera complètement bouché. On va laisser passer, mais petit à petit, en expliquant aux gens pourquoi on fait ça. C'est tout. En fait, il y aura peut-être 3-4 personnes sur ce. Pour y arriver, ah ben, si tout est bloqué, ça va être compliqué. Oh là là. Et après, vous laissez dire votre téléphone pour les référents. On est tenu de garder une voie libre pour les secours. Donc, il y aura un système d'information pour laisser passer les cas urgents, humains ou animaux. C'est un centre équestre, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, sur l'horaire, à 7h, il faudrait qu'on soit tous et au moins une vingtaine par point de blocage dès 8h du matin. Hein, il faudrait au moins ça, quoi. Voilà. Pour comment je peux pas aller quand je m'en fous. Voilà, donc les camions, vous nous direz à la fin de la réunion, hein, ceux qui sont d'accord pour venir avec le camion pour aller dispatcher un peu les pneus, les palettes. Il y avait quoi d'autre ? Sécurité, même si la police est au courant. Attention. Il y a débordement, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, la police sera là pour ça. La police est au courant. Est au courant. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient avec nous, ils sont au courant. Ils nous soutiennent. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent avec nous sur les blocages et tout. Eux, ils sont là pour assurer la sécurité. Donc, ils joueront l'ombre. Ouais. Ils sont là, ils vont assurer la sécurité. Il y aura peut-être, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, là, il y a peut-être des flics civils, si je ne sais rien. Maman, donc, sur les points de blocage, il y en aura aussi. Donc après, ils nous soutiennent et tout, mais ils ne sont pas là non plus, il faut les comprendre aussi. Et ils ne risquent pas de nous faire partir avec de la bombe à crimo, tout ça, de vouloir nous faire... Après, c'est plutôt les CRS, la gendarmerie, et eux, on ne sait pas du tout. Pas la police. D'accord. Moi, je sais qu'avec tous les points de blocage qu'on est, ils ne pourront pas être partout. Et à Avignon, ça va être des gros points de blocage. Mais si ça ah ben non, mais de toute façon, si ça nous arrive, c'est quoi ? C'est qu'on s'en va, on va sur un autre point de blocage, voilà. Et puis comme ça, on bouge, on fait... D'accord. Voilà. Et c'est arrêté par la compte. Oui. Ouais. Pas sur cavalier. Non mais là, on se donne un rendez-vous à 7h ici, et après il faut nous laisser le temps de dispatcher tous les gens, ou alors aller directement sur les points de blocage. On dort là-bas, donc tu veux. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, qu'on soit à 7h ou qu'on soit à 8h, peu importe, hein, le truc c'est de bloquer. Après, s'il y a des gens qui passent avant, tant mieux pour eux. On va pas quand même. Tant mieux pour eux. Tant mieux. Vous voyez, ils pourront aller travailler, ils pourront y aller, mais peut-être qu'ils pourront pas revenir. Ça, le problème est là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est interdiction. Enfin, pour nous, après, vous faites comme vous voulez, mais interdiction d'aller à l'affrontement. Il va y avoir des troubles faits. Les troubles faits vont être neutralisés et après, c'est appel à la police. On ne frappe pas, on n'insulte pas, on ne fait rien du tout. On bloque, c'est tout. Voilà. Faut être précis, quoi, hein, parce qu'il va y avoir des gens qui... Hein. On ne met pas les armes. Non, quoi, en plastique, c'est vraiment... Alors, par contre, Benoît vient de me dire barbecue autorisé, des fûts, comme ça, pour faire, pour manger. Bombe à lacrymogène, vous avez des questions? Un petit détail, pas de déchets. On se bat en partie contre une taxe carbone. On va bloquer, on va stagner, on va manger, on va boire. Ne jetez rien par terre, s'il vous plaît. De toute façon, après le blocage, quand on va commencer à partir,
c'est chacun ramassera son petit truc par terre, puis voilà. Quoi. On est arrivé, c'était propre, on repartira, ça sera propre. Il y a quelqu'un qui a une question là-bas au fond. J'ai une question justement pour la fin de la journée. Est-ce qu'on n'a pas un point de... où on se retrouve nous tous à un horaire défini pour voir ce qu'on fait après? Ah mais on dort là-bas? Dire qu'il y a une fin, dire qu'il y a une fin d'un blocage, moi je peux pas, je peux pas dire j'en sais rien. Après c'est à chacun, hein. Sûrement que si je me retrouve seul, je vais rentrer, je vais regarder Macron à la télé, puis voilà, tranquille. Hein. Mais j'en étais sûr. Voilà, je retire, je regarderai les feux de l'amour. Excusez-moi, madame, ce que vous vouliez dire peut-être, c'est qu'à la fin du blocage, le 17, est-ce que par exemple, vous ne pouvez pas tous vous retrouver ici pour parler du bilan de la journée? Non, mais la plupart vont rester le 18, quoi. Non, le 17. À la fin du 17. Non, mais apparemment, le 18, c'est reparti, donc on reste la nuit là-bas, ou on se rend compte. On va faire des relais, tout à fait. On va mettre en place le soir. Oui, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ah non, ça c'est sûr qu'on pourra pas tous y rester, quoi. Deux secondes, approche-toi. Non, madame, on vous prend pas en otage, vous êtes libre, vous pouvez partir, revenir, comme vous voulez. On n'a pas de monnaie, on ne prend personne en otage. C'est citoyen. Vous venez, on est content, vous ne venez pas, tant pis. Vous n'êtes pas pris en otage. Essayez de prévoir un système de renouvellement. Les retraités, là. Ah oui, les retraités, on compte sur vous. Hein. Pour les 14 millions de retraités en France, 60% qui sont taxés par la CSG. 60% des retraités en France sont taxés. Voilà. Les chiffres, c'est ça. C'est eux qui vont faire les blocages. Question aussi, là-bas. Oui. Est-ce que les référents ne se retrouveraient pas le soir en laissant les manifestants sur le point de Montagne? Et venir se réunir pour voir un peu. Les référents se réunir ici, ouais. Faire un petit point et après. Par contre, les référents, nous, on se réunit régulièrement. Oui, on le fera. Mais on se réunit déjà régulièrement pour mettre les choses au point. Après, c'est pas bête, on le fera aussi. Hein. Bernard, c'est mais, deux secondes, Alexandre. Oui, mais on n'est pas des chefs. On organise les points. Après, chacun. Oui. Mais si, je vais dire une bêtise, hein. Si on est 3000 sur un rond-point, que 3000 personnes viennent me demander un truc, mais j'ouvre une entreprise de suite, moi. Tac, TVA, tac, et voilà. On est là, les référents Cavaillon sont là. Là, avec les deux demoiselles, là. Locus Cavaillon. Vers 22-23h, ici, 8 référents. Et après, on fait passer. D'accord. Ce que tu veux dire, c'est qu'on se réunit pour faire un point, et puis après, le rendre compte sur les points de blocage. De toute façon, comme on voit, il y aura des référents. Faire un ralliement, tu vois. Il y aura des référents, en fait, sur chaque. Des référents oui, tournables. Pour le soir. Voilà. Pour la... Moi, je vais m'occuper de tous les points, je vais faire le tour des. Voilà, Benoît va faire la navette sur tous les points de blocage. Alexandrine Motard va s'occuper de. De nous donner à voir ce qu'on a dit, de regarder un petit peu. Une brigade de motards justement pour s'occuper de cet effet de communication, parce que vous bloquez les voitures, techniquement, quelqu'un en voiture, il ne passe pas. Hein. C'est le but. Moi, je voulais rassembler une paire de motards et faire une brigade qui peut tourner sur les trois points de blocage, aller dire tiens, mais là-bas, il y a les flics qui arrivent, déplacez-vous pour pas être en confrontation avec les forces de l'ordre, ou effectivement, sur tel point de blocage. Il y a un problème en termes de sécurité, on fait le relais, on arrive à casser une motard, on est casqué, le mec ne fera pas le show sans temps. Pour me dire par rapport voilà. Mais c'est vrai que la communication, 18, hein. On en avait parlé. Qui avait parlé. Ils veulent faire que Avignon, c'est à la Réunion, ça va venir. Le page, je ne sais pas si. Blocus Cavaillon, ça s'appelle. Là, c'est un groupe de dialogue
vous pouvez parler, vous pouvez échanger vos idées, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça a été créé pour faire justement pour ça, pour qu'on puisse échanger. Donc on est preneur de toutes bonnes idées. On n'est pas les seuls à décider, on est tous là à décider. Si vous avez des idées, on est preneur. Voilà. Il ne faut pas que ça se limite à nous, hein. C'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde. On travaille dans les grandes surfaces, mais avant, Lidl achetait des grands packs d'eau, acheter pour pouvoir distribuer aux gens. Parce que les gens, ça c'est la veille, la veille. Bon, moi j'ai entendu dire qu'il y avait un Auchan qui allait fermer. Je c'est pas confirmé, hein, j'ai entendu dire ça. Qui allait fermer le 17 parce qu'ils avaient peut-être peur de ne pas récupérer assez de TVA, j'en sais rien. Enfin, ils avaient décidé de fermer. Mais sous toute réserve, hein, c'est pas confirmé, hein, on l'a entendu. Après, il y a une autre grande surface aussi, ou des stations-service qui avaient décidé de fermer. Enfin, ça, c'est pas confirmé, en tout cas. Ils ont plus de personnel, ils ont plus de gilets jaunes. Non, mais c'est parce qu'ils ont le beau. Je pense que tout le personnel au champ, ils seraient blocus. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont pas. Donc voilà, c'est pas bien. Voilà. Oui, attendez, juste, il y a encore une question là-bas. Il n'y a pas de question con. Si j'ai besoin de sortir de la manif pour aller nourrir mes chevaux, je les nourris et je reviens. C'est quoi les signes distinctifs? Je mets le gilet jaune. Ça va être compliqué. Voilà. T'as pas un voisin qui peut leur donner à manger ou quelqu'un qui... Non, ça va pas du tout, ça va coûter 800 euros. Ça va, j'ai pas la solution. J'ai une caisse. Ça va être bloqué, donc à la limite, tu vas sortir, mais pour rentrer. J'ai une caisse. Tu passes te prendre, je t'amène, je te ramène. Ouais. Voilà. Par contre, je crois qu'il y a des associations de motards là, non, qui sont prévues, hein. Oui. Voilà, ouais. Donc vous, je sais pas comment vous comptez. Le motoclub de Robio. Le club de Robio, on est ouais. Deux. Non, on n'est que deux. C'est après, on vient de voir qu'il y a le club 84. Après, le club d'Avignon, quoi. Ouais. Là, il faut des motos de trail. Tu montes sur les trottoirs et tous les motards. On a beaucoup de motards. Il faut des motos de trail. Vas-y, ils vont venir. Voilà, il faut monter les trottoirs. Attendre le Twitter ou le Facebook. On leur dire, ok les gars, je suis allé à la réunion, on se voit à 7h, 7h30, on paye de la chair. Voilà, vous vous mettez, à la limite, ça serait bien qu'on tombe directement sur vous. Quoi. Mais demain, quand on sur une vingtaine de motards déjà. Demain, j'ai réunion avec un motard. Alors, est-ce que ce sera 7h10 ou 15 au club Saint-Denis? Je ne peux pas vous dire combien de sera. Ouais, mais il faut des motos. Quand on demande, il y en a 60 qui disent, ouais, il viendra, et il y a fait de quoi. Voilà, je vais le monter. Monsieur, vous avez il a répondu un petit peu, je voulais savoir s'il y avait des groupes, comme par exemple sur le motard, ou les paysans, ou les routiers, ou des trucs comme ça, parce que comme je viens d'arriver, j'ai pas entendu. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de corporations qui ont dit on vient pas. Pas d'agriculteurs. D'accord. Les agriculteurs, je sais pas, est-ce qu'il y a des agriculteurs là ou pas? Non? Ouais, c'est dans la campagne, ils sont pas au courant. Eh ouais. C'est pour ça qu'à un moment ou un autre, il va falloir sortir de ce Facebook et faire des réunions d'information dans les villages. Dans les villages autour, tout ça. Vous, voilà. Et ça parler entre vous. Mais ça pourra se faire que dans une deuxième. Facebook, madame. Il y a un moment où ils vont tous se réveiller quand même. Attendez, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend plus là. C'est ce qu'on va faire dans les contrats. Ben aujourd'hui on n'a pas eu, je sais qu'il y a des monsieur qui avait des engins de TP, ils ont voulu venir avec des engins de TP. C'est sûr que tout engin, tout ce qui est un peu massif, si vous pouvez venir avec, au contraire, c'est ce qui nous a fait. C'est plus impressionnant d'avoir un engin de TP que. Ah ouais. Mais ils vont venir qui, c'est, à qui ils vont la mettre l'effraction? Justement. Au référent. Non. Parce que là, je ne peux pas leur attirer le monsieur. Alors attention, c'est sûr que nous, on est en tête. Hein. On va morfler, c'est sûr. Moi, j'assume, je m'en fous. J'assume. Là. Si un flic vient et qui me dit vous êtes l'organisateur de ce groupe, non monsieur. Il n'y a pas d'organisateur. Je ne sais pas. C'est tout le monde. Je ne sais pas. C'est si bon. Vous voulez arrêter tout le monde en même temps, vous arrêtez tout le monde. Voilà. Nous, on n'est pas des meneurs, on n'est pas des bandits, on n'est pas des. On n'est rien. On est des personnes comme vous. On a organisé un blocus
de la France, c'est pas Cavaillon, c'est la France entière. Hein. Ouais. N'oublions pas que c'est 80% des Français qui sont favorables, comme j'ai dit tout à l'heure. Plus de 500 points de blocage. Voilà. Donc 500 points de blocage en France, c'est pas rien quand même. Hein. Donc si le flic arrive, il faut faire le naïf, il faut dire non, je sais pas. Il n'y a pas de responsable. Je connais pas. Responsable, moi non, moi non plus. Voilà, terminé. Vous l'arrêtez quelqu'un, vous arrêtez les 500 bonhommes, voilà. Les 600 personnes qui sont là. C'est tout. Moi, je voudrais dire quelque chose. Là, vraiment, la seule façon de ne pas être embêté, c'est les gens de la police. Les citoyens comme vous et comme tout le monde. Exactement, exactement. Alors, oui, il y a des cons, il y a des gens qui sont comme nous, ils ont leur femme qui boit, ils ont leur ras-le-cul aussi. Ne l'oubliez pas, respectez-les, vous verrez. Pendant qu'on distribue les tracts sur la foire. On a eu affaire à la police, on a parlé avec eux. Il y en a même un qui m'a enlevé un tract, qui m'a dit je le veux, mais je le veux le tract, je ne peux pas vous en donner, vous la voulez. Donc il a pris et il m'a dit on vous soutient. Mais je vais reprendre cette phrase un peu à la con, il y en a un qui m'a dit on a des menottes là. Mais on les a aussi là. On les a là aussi. Eh oui, mais on voilà. Le sait, on le sait. Donc il faut se mettre aussi à leur place, hein. C'est leur boulot. Hein. On ne peut pas taper sur du flic, on ne peut pas non plus leur dire vous êtes dégueulasse et tout. C'est leur boulot. Après, il faut être diplomate, vous avez un flic, mais voilà, c'est, ça sert à rien de dire connard, pourquoi tu tapes sur ton frère, ça sert à rien. Monsieur, vous faites votre boulot, vous restez tranquille. Voilà. Après, c'est eux qui prennent leur responsabilité, leur choix, ils le font. Mais ils sont. Ils le lèvent, ouais, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en Italie, les flics ont enlevé le casque devant les manifestants et se sont mis avec eux, donc à manifester, et se sont mis avec eux. Ils ont tous enlevé leur casque et voilà. Ah mais ça vit avec des couilles. Et j'ai mis un poste et j'espère qu'en France, l'Europe il tremble à Bruxelles. Donc on ne va pas à l'affrontement, s'il vous plaît, on ne va pas à l'affrontement, laissez faire. Si on nous vire, on s'en fout, on se déplace des kilomètres, on revient. La seule façon de ne pas être embêté vis-à-vis des flics, c'est un peu de manif. C'est de. Ils vont nous faire lever les voitures et tout, les palettes et tout le reste. Il faut marcher sur le passage piéton. Vous mettez 5-4 personnes sur le passage piéton, on bloque pareil et les flics peuvent rien dire. C'est la seule façon. On n'est pas merde. Je le répète, le but c'est de ne pas aller à l'affrontement, c'est un mouvement citoyen. On est tous responsables, on reste tranquille sur les points de blocage. Et après, merci. Alors, après c'est à vous, hein. Vous pouvez faire des banderoles, vous pouvez faire des pancartes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout est bon à prendre. Sauf les blessures que j'ai dit tout à l'heure, sauf les injures et tout, je passe de ça. Ah oui. S'il y en a qui veulent rester toute la nuit. Oui. Niveau référent, est-ce que vous en avez assez? Oui, là, ouais. Mais... Tu as envie de venir avec nous, toi, je le sens. Ah, c'est rejoins-nous. Mais c'est pas le seul. Rejoins-nous. Alors, le problème, c'est que si on se retrouve 50 référents, on ne peut pas parler. Non. Hier soir, nous avons eu une réunion ici, nous étions 8 ou 9. Ceux qui n'ont pas pu venir ont été au courant par un message privé ou SMS. C'est vrai que c'est important qu'on soit quelques-uns référents solides, parce que mais un référent, le référent est responsable que de lui-même. Chaque fois, je le répète, il y a des gens qui m'ont dit « Mais comment je fais si j'ai froid ?» Ben, tu amènes ta couverture, quoi. C'est clair que je dis une chose, c'est mon côté maternant, mais je suis pas la maman des bloqueurs. Donc, inévitablement, même acheter à boire, à manger et tout, chacun est autonome et responsable de lui-même. Alors, tu nous rejoins, c'est quoi ton prénom ? Mika. Tu vas aller où, Mika ? Quel point de blocage ? Intermarché. Intermarché, le melon. Allez, encore un melon. Non. Ok. Où ça ? Au péage, moi. C'est bon, t'es embouché. Bon, il faut des référents. Alors, je pense qu'on est pas mal déjà au niveau référent péage. Péage. On a un copain qui va venir de Paris, là, qui a son train, donc qui est dans la salle, ou alors il va pas tarder à arriver. Il y a Benoît qui, lui, est tournant. Hein, c'est un rond-point tournant. Notre collègue, là, Nicolas, j'ai beaucoup de... Excusez-moi. Nicolas, qui, lui, va être à Blachère. Les deux filles, Caro, Alison, Gérard Hernandez, Patrick Hernandez, lui sera au melon. Donc oui, Mika, tu es avec moi au péage. Sur ton géré, tu mets péage, un papier péage. À Plan d'Orgon, il y a aussi Jean-Paul de Belle.
Alors, plan d'Orgon, moi je suis du 13, moi je suis de Saint-Andoine. Voilà, vu que ça ne bougeait pas dans le 13, j'ai dit qu'ils sont vraiment dormis le 13. Hein. Bon, moi je dis vraiment. Hein, pas tous. Pas tous. Mais non, la preuve, je suis là. Hein. Moi aussi. Par contre, après, les planées, etc., si vous voulez rejoindre le mouvement péage, c'est pas loin. Vous avez bloqué Orgon, vous. Hein. Lidl. Ah, nous alors. Jean-Paul, il sera juste à l'intersection dans le village côté bas pour faire l'opération escargot. Rejoindre ensuite le rond-point. Donc rond-point de Lidl, c'est péage pour nous. Parce qu'une fois qu'on est placé, on ira à pied quelques-uns, sac à dos, ciseaux et scotch, discrètement, tranquille. On va quand même faire un tour au péage. Hein, parce que l'objectif, c'est ce que j'ai dit, hein, zéro achat pour le gouvernement, c'est bon. Voilà. Il va y avoir une réunion de référents dans cette semaine. Pareil, on vous donnera des informations sur le groupe Facebook Blocus Cavaillon. C'est le groupe Facebook qu'on a créé avec Bernard, parce que ça bougeait pas trop. Et il y en a un autre, c'est une page officielle qui s'appelle Blocage Cavaillon. On met des informations sur les deux. Voilà. Mais le Blocus Cavaillon est plus vivant parce que c'est vraiment le dialogue. Voilà. La page du Cavaillon officiel, c'est Cavaillon blocage contre la hausse du carburant. On est bien d'accord que c'est plus le carburant, c'est l'étincelle. Le pouvoir d'achat. Le carburant, c'est le déclic. Voilà. Le pouvoir d'achat. Il a provoqué, comme j'ai dit tout à l'heure, il a provoqué le peuple, mais le peuple arrive. On va aller chercher. Alors, je veux dire un truc, moi je serai avec les deux demoiselles, là j'ai de la chance, avec les deux demoiselles je serai au rond-point du Melon. Mais s'il y a trop de monde au rond-point du Melon avec moi, ils vont sur un autre blocage, c'est pas peine d'être 3000 sur un seul blocage et personne ailleurs. Hein. Donc voilà, ça va être dispatché, c'est pas la peine de se mettre tous au même blocage. Ça sera le 17 au matin. On Bon, pourquoi encore une question, le cheval. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui pose une question, on n'entend pas là-bas. Mademoiselle. À quelle heure elle est l'opération escargot? À quelle heure? L'escargot. L'opération commence à quelle heure l'opération escargot? L'opération Scarbon commencera à 8h aussi. À 8h aussi. Bon, pour nous, je crois que c'est bon. Donc, je répète, là, il y a, on fait une casserole, pas les chapeaux, mais une casserole, pour ceux qui veulent donner 4 sous pour payer les tracts. Ensuite, ceux qui veulent s'inscrire sur Blocus Cavaillon, on va ouvrir un événement pour la distribution des tracts pour jeudi soir au péage. On aimerait au moins une dizaine de personnes par au rond-point. Une dizaine de personnes par rond-point. Donc inscrivez-vous sur l'événement de Blocus Cavaillon. Si on peut avoir 3 groupes électrogènes, je sais pas, j'ai pas vu, est-ce qu'il y a des mecs qui sont levés? Il y a des gens qui ont des groupes électrogènes? Je suis sûr. S'il y a des gars comme une ou deux batteries. Ouais. Oh oui. Ouais, pourquoi? Batterie, ouais. Et ensuite, à 7h du matin, donc, ici sur le parking, et avec les camionnettes, ceux qui en ont. Voilà. S'il y a des motards intéressés, je reste un peu là. Et parlez-en autour de vous, hein. Parlez-en. Il y en a plein qui ne vont jamais sur Facebook et qui ne savent toujours pas ce que c'est les gilets jaunes. Thank you.
Thank you.